Franchement, Diego, tes arguments de vente sont dépassés. C'est clair. Tes stratégies sont trop ouvertement offensives. Tu risques d'agresser la clientèle. Et donc de la faire fuir. Sérieusement, t'as appris ça où? Faut menacer le client pour le fidéliser? C'est ridicule. On préfère te prévenir, on va pas te prendre en traître. Au prochain conseil d'administration, on te fait la peau. C'est clair. Écoutez bien ceci. Mes arguments de vente sont performants. Et vous êtes d'accord avec moi. C'est évident. C'est clair. Je vais devoir y aller, ma petite femme m'attend. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Il a quand même des arguments de poids. Imparable. Mira! Amour! C'est moi! Je suis là, je suis rentré! Amélie! Amélie, réveillez-vous! Amélie! Mira! Mira! Quoi? Alors, que s'est-il passé cette fois-ci? Quoi, que s'est-il passé? Tu le sais très bien! Je priais le ciel pour qu'elle se taise. Mais elle parlait! Et moi, je voyais plus que sa grosse veine, là, qui palpitait dans son cou! Mais Mira, tu peux vraiment pas te contrôler! Qu'est-ce que je vais dire à son mari, moi? Mais bouffe-le! Que veux-tu que je te dise? Si ton père te voyait, il aurait honte! Mon amour... J'y arriverai jamais. Rentrons à la maison, je t'en supplie. Non, ma chérie. Je ne retournerai jamais dans ce château croulant et poussiéreux pour dormir dans la crypte au milieu des rats. Et puis nous ne pouvons plus courir les campagnes et égorger sans façon. Mais pourquoi pas? Mais si nous voulons nous aimer jusqu'à la fin des temps, il faut nous intégrer. Sinon, ils auront notre peau, ces humains. Je te rappelle que nous avons pris cette décision ensemble. Mais j'ai tellement faim. Tellement. Tu veux que je te prépare un petit quelque chose? Faut que je rachète un micro-ondes avant que celui-ci ne rende l'âme. Ah oui, je déteste le sang-froid. J'irai demain. Non, moi j'irai. Tu ferais ça? Tu sortirais en plein jour? Je suis sortie aujourd'hui. Je me suis entièrement enduite d'écran total. J'ai mis les belles lunettes que tu m'as offertes. Et j'ai vu le soleil pour la première fois. C'était beau. J'ai regretté que tu sois pas là. Tu l'as pas fini? Je voulais t'en laisser un peu, elle est tellement bonne. Finis-la, sinon ce sera gâché. À moins que tu préfères le sang d'hôpital. Diego, je t'en supplie, sauve-moi, elle est folle. Je t'en supplie. Ce sera la dernière, Diego. Après, je ferai plus d'écart. Nous serons sages tous les deux, c'est une promesse. Non, Mira. Mes résolutions sont prises. Nous allons l'emmener à l'hôpital. Elle va nous dénoncer? Regarde-la. Vas-y, regarde-la! Désolée, Diego. S'il te plaît, me rejette pas. C'était la dernière fois. La dernière fois, c'était déjà la dernière fois. Je sais. Tu sais, en sortant aujourd'hui, j'ai croisé notre voisine. Tu discutes un peu avec son mari. Oui. Que dirais-tu si nous organisions un dîner?
Quelle riche idée, mon amour. Oh, ce serait absolument charmant. Je suis contente que ça te fasse plaisir. C'est bien, nous allons nous faire des amis. Ah oui, de vrais amis. Ils sont tellement mignons. Qu'allons-nous leur donner à manger? Oh, c'est vrai qu'il faut les nourrir. Oh mon amour, je suis trop heureuse à l'idée de ce dîner. Ah, moi aussi. Ce sera tout à fait épatant. Tu n'es plus en colère après moi, mon cœur? Non, ma princesse. Allez, dormons, je suis épuisée. J'ai une dure journée demain. Oui, mon chéri. Bonne nuit. Bonne nuit, ma douce. Allô, c'est moi? Oui, ma chérie. Je suis au magasin de nourriture. Au supermarché. Oui, au supermarché. Qu'est-ce que ça mange, un voisin? Bon, écoute, il y a des vendeurs dans cet endroit. Oui, plein, partout. Des jugulaires qui palpitent à qui mieux lieu. Plein de petites filles vivaces et gorgées de sang qui s'agitent en tous sens. Des bambins rondouillards et frétillants. Mira, tu te calmes. Bon, écoute, tu vas rentrer à la maison et tu vas te préparer un grand biberon bien chaud. Pendant ce temps, moi, je vais faire les courses. Alors, ça se mange toute l'année. Mira. Et ça suffit avec Mira. Noix de beurre, de l'huile de riz. Vous êtes très charcuterie. Vous n'aimez pas? Ah non, mais au contraire, Diego. On adore. Puis vous savez que là, en un seul repas, vous nous offrez une sacrée dose de protéines. C'est vraiment très original comme idée de ne faire que de la viande. C'est rouge. Ça sent bon. Si ça vous plaît, c'est tout ce qui compte. Vous savez, nous n'avons pas trop l'habitude de recevoir, alors je ne sais pas trop. Ne vous inquiétez pas, c'est très réussi. Ça, c'est du boudin. Tu n'as pas faim, ma chérie? Oh, si, j'ai faim. Alors mange. Quel bon boudin! Il est excellent. Où trouvez-vous un boudin aussi goûtu? Ah oui, Diego. Faut absolument que vous nous donniez votre adresse. Vous savez que le bon boudin se fait rare par les temps qui courent. Ça va, ma chérie? Excusez-moi, je reviens. Comment tu fais pour pas être malade? Tu les trouves à ton goût? Je les trouve à croquer, mon amour. Je crois qu'ils sont mûrs pour notre petite soirée. Thank you.
Vous êtes hyper mignon, Mira et toi. Je trouve ta copine adorable. Ah bon? Pas toi? Si, si, bien sûr. Mais... Je crois que Jérôme a un petit faible pour elle. Je suis sûre qu'ils doivent bien s'amuser tous les deux. T'inquiète pas. Tu crois qu'on pourrait être amis tous les quatre? Bien sûr. T'es trop craquant, toi. Je te plais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur des contacts humains? Oui. Super bien, vrai animal. T'es magnifique. Merci. C'est combien de temps que vous êtes ensemble avec Diego? Longtemps. Tu parles peu, ça me plaît. Et moi? Et toi quoi? Je te plais. T'es appétissant. Pardon, excuse-moi, je voulais pas te dire ça. Non, mais attends, t'excuse pas du tout. Au contraire, ça me ferait même plutôt plaisir. Mais si je suis si appétissant, t'as qu'à goûter? Non, me tente pas. Si Diego apprend que j'ai craqué, il va me tuer. Ah bon? Est-ce que tu crois qu'ils sont en train de faire quoi avec Alice, là, en ce moment? Ah bon? Ah mais... C'est... Vous êtes mis d'accord, c'est ça? À cause de l'équinoxe? Oh, vous êtes la surprise, hein? Ta surprise d'Halloween. Alors, je peux? Je t'en prie, Mira. Serre-toi. Dans ce cas, Jérôme, vraiment, merci. Vous êtes ensemble, Mira et toi? 347 ans. Waouh! C'est long. Pas quand on s'aime.